Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram en 2022? Votre compte Instagram stagne et vous ne savez pas pourquoi. Vous essayez de publier, mais vous vous êtes vite démotivé par les résultats qui ne sont pas au rendez-vous. J'étais dans le même cas que vous il y a encore quelques semaines et tout a changé pour moi du jour au lendemain. Je suis passée de 13K à 60K, c'est-à-dire 60 000 abonnés en moins d'un mois. Au début, j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on nous cache des choses. Il y a peut-être des boutons secrets sur lesquels j'ai appuyé sans m'en rendre compte. En tout cas, il s'était forcément passé un truc. Du coup, j'ai cherché à comprendre d'où venait ce pic d'abonnés. Je vais vous expliquer exactement tout ce que j'ai fait et je pense qu'il y a une astuce en particulier qui a fait la différence. Donc restez bien jusqu'à la fin pour que vous aussi, vous puissiez mettre toutes ces techniques en place sur votre compte Instagram. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Tous les jours, je reçois des messages qui me disent que je vous motive et je suis super contente de pouvoir vous partager mes conseils sur l'entrepreneuriat et sur les réseaux sociaux et le marketing digital. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Emmanuelle Connet, je suis consultante en marketing digital. Donc pour en revenir à mon compte Instagram, voici le point de départ. Avant, je dirigeais Powiz, c'était un organisme de formation et j'avais développé le compte Instagram jusqu'à à peu près 12-13K, c'est-à-dire 12 000-13 000 abonnés. Et depuis un moment, ça ne bougeait plus trop. À l'époque, je teste plein de choses sur le compte, je fais de la publicité payante, ça stagne et c'est super frustrant parce que je vois des comptes qui naissent bien après le nôtre et qui gagnent en visibilité rapidement. Du coup, je commence à tester plein de trucs, je change les couleurs du feed pour être sur quelque chose de plus tendance, je publie aussi des carousels sur lesquels on passe beaucoup de temps, dans lesquels on donne beaucoup de conseils. Au niveau des stories, je suis présente au moins 3 fois par semaine, je fais des animations en story, etc. Mais voilà, ça bouge pas trop en fait. On arrive au mois de mai 2022, Powiz ferme ses portes, donc il faut faire ce qu'on appelle un rebranding, c'est-à-dire un changement de marque sur le compte Instagram. D'ailleurs, si vous voulez créer une marque ou changer de marque, j'ai fait une vidéo détaillée sur le sujet du branding que je vous invite à aller regarder. Donc à ce moment, je lance Partie de rien. On est toujours sur la thématique de l'entrepreneuriat, mais c'est abordé différemment. Ça va être abordé sous l'angle du storytelling. Partie de rien, c'est un hommage à toutes les femmes qui ont le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, nouveau nom, nouvelle bio et nouvelle photo de profil. Le nom, Partie de rien, il évoque le thème de la success story. Il est très large et il peut parler à énormément de monde. Pour la photo, j'ai choisi une illustration sans visage qui permet également à toutes ces personnes de s'identifier et de se projeter. Pour le texte de la bio, j'ai écrit quelque chose de très motivant car la motivation, c'est le facteur numéro 1 de réussite dans l'entrepreneuriat. Donc ce que vous devez retenir si votre compte ne décolle pas, peut-être réfléchir à aborder votre thématique d'une nouvelle manière sous un nouvel angle. Si vous voulez gagner plus d'abonnés sur Instagram, mais que vous n'arrivez pas à faire un rebranding, j'ai une autre stratégie pour vous aider à percer le secret de l'algorithme. Mais avant, si vous trouvez cette vidéo utile, laissez-moi un petit pouce bleu. Comme je vous disais au début de cette vidéo, je publiais pas mal de choses différentes sur ma page Instagram et un jour, j'ai pris une décision radicale. En fait, le boss d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé qu'il testait un feed avec toutes les publications en plein écran, photos comme vidéos, un feed à la TikTok. Et ça vient s'ajouter à une longue série d'annonces où depuis plus d'un an, on nous dit que c'est le format vidéo qui va être mis en avant, que les Reels vont être de plus en plus poussés, qu'on les voit de plus en plus dans le fil d'actualité. Donc moi, quand j'ai vu cette annonce, j'ai pris la décision d'arrêter complètement de publier des visuels, des citations, des photos et des carousels. Ce sont des types de contenus qui prennent beaucoup de temps à préparer et de ce que je comprends, au final, ils vont avoir assez peu de chances d'être mis en avant par l'algorithme. Je me suis concentrée à publier uniquement des Reels. Je suis passée de 2, 3 par semaine à 5, voire 6, voire même 7 par semaine. Et en fait, j'ai certains Reels qui ont littéralement explosé. C'est-à-dire à l'heure où je vous parle, il y en a un qui a dépassé les 3 millions de vues. Il suffit d'un seul Reels qui devient viral pour que tous vos autres Reels bénéficient de cette surexposition. Moi-même, j'ai vu des Reels vieux de plusieurs mois ressortir et recommencer à avoir des likes. Ça signifie qu'avec les Reels, vos efforts sont cumulatifs. Contrairement aux posts photos ou carousels ou autres, où les résultats sont très limités,
parce que la durée de vie de la publication, c'est 24 à 48 heures. C'est très éphémère. Donc voilà, c'est un parti pris. Je ne vous dis pas que c'est la seule méthode ou qu'il faut absolument le faire, mais je vous dis ce qui a fonctionné pour moi. Néanmoins, je publiais déjà des Reels avant de faire le rebranding et leur visibilité était très limitée. On dépassait rarement les 10 000 vues, il n'y avait pas de viralité. Donc je pense qu'il y a autre chose et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Ce qui a longtemps empêché mon compte Instagram de se développer, ce sont les désabonnements massifs. Admettons que j'avais 10, 20 ou 30, 50 nouveaux abonnés. Quand j'allais dans les statistiques de mon compte, je voyais que ça augmentait pas parce que j'avais autant de désabonnements, voire plus. J'en ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui étaient sur Instagram et la conclusion, c'est qu'on est nombreux à avoir le même souci. Donc, j'ai cherché à comprendre. Généralement, quand quelqu'un se désabonne, c'est parce qu'il n'apprécie pas votre contenu. Il trouve que les publications sont inintéressante, il va donc chercher à les masquer de son fil d'actualité. Et d'ailleurs, plus souvent les gens font masquer, ils ne cliquent pas sur se désabonner. Comme mes amis entrepreneurs, je ne comprenais pas pourquoi autant de gens se désabonnaient chaque jour, quoi que je publie. Et un jour, les désabonnements sur mon compte se sont quasiment arrêtés. Comme ça, tout seul. Là, j'ai dit non, c'est pas possible, il y a quelque chose. Donc, je me suis repassé le film de tout ce que j'avais fait comme changement récent sur le compte. Parmi les changements, j'ai listé tout ce que je vous ai dit juste avant et il y a une chose qui m'est revenue en tête. Je sais pas si vous savez, mais sur Instagram, il y a plusieurs types de comptes. Vous avez le compte perso, vous avez le compte créateur et vous avez le compte business. À la base, j'étais en compte business pour pouvoir faire des publicités payantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était des choses que j'utilisais. Mais le fait d'être en compte business m'empêchait d'accéder à certaines fonctionnalités, notamment pour la création de Reels. J'ai fait des recherches, j'ai lu que pour régler le souci, il fallait passer en mode créateur, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans les réglages, j'ai trouvé compte business, je l'ai basculé en compte créateur. Et le jour où je suis passée en compte créateur, ça correspond au jour où je n'ai plus eu de désabonnement massif et où mes publications ont commencé à devenir virales. Et c'est à partir de ce jour-là précisément que mon compte il a commencé à grossir et à exploser. Alors, je ne peux pas vous garantir que le fait de passer en compte créateur va vous faire grossir. Mais je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Car Instagram mise beaucoup sur les créateurs de contenu. Donc, si vous ne faites pas de publicité payante, vous ne perdez rien à tenter cette stratégie. Peut-être que ça marchera pour vous aussi. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que, en gros, en un mois, je suis passée de 13 000 abonnés à 136 000. Donc, j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Outre tout ce que je vous ai raconté dans la vidéo, vous savez, je vous avais dit dans la vidéo qu'il y avait un Reels que j'avais publié qui avait dépassé les 3 millions de vues. Et en fait, aujourd'hui... Attendez, je regarde. Aujourd'hui, il est à... la dernière fois que j'ai regardé, il était à 12 000. Je vais ouvrir mon Insta et je vais vous montrer ça en direct. Aujourd'hui, il est à 15 000. C'est celui-ci. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, parce que ce serait inversé, mais voilà. Aujourd'hui, il est à plus de 15 000... plus de 15 millions. Pas 15 000, plus de 15 millions. Donc voilà, c'est un truc de fou. Honnêtement, bah déjà, merci, tellement de merci de faire partie de ma communauté. Vous êtes tous la bienvenue. Voilà, je suis super contente. Mais sachez que ça a été vertigineux pour moi. Ça a été vraiment vertigineux. Il y a eu des jours où je me couchais le soir. Et quand je me réveillais le lendemain matin, j'avais déjà pris 4 000 abonnés dans la nuit. Et il y a eu des jours où, en 24 heures, je prenais plus de 10 000 abonnés. Et c'était vraiment la folie, en fait. Je comprenais pas d'où ça venait. Je comprenais pas ce qui se passait. Et surtout, je me disais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'où ça va aller, en fait? C'était vraiment la folie. Pour vous dire, il y a eu une période où, chaque soir, avant de me coucher, je faisais un screen. Et comme ça, je pouvais comparer les chiffres de 24 heures en 24 heures parce que moi-même, j'en croyais pas mes yeux. Et donc, je recevais plein de messages et les gens me disaient « Manu, ton compte est en train d'exploser. Qu'est-ce qui se passe? C'est la folie. Je sais pas. » Donc voilà. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour accompagner ce mouvement? Donc vous avez vu, j'ai un Reels que j'ai publié qui est devenu viral. Qu'est-ce qui se passe quand on a un Reel qui devient viral? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah moi, en fait, j'étais préparée. C'est-à-dire que je savais que quand un Reel devient viral, il faut continuer à publier du contenu à forte valeur ajoutée tous les jours, au minimum.
Et donc, c'est ce que j'ai fait, en fait. Si vous regardez les reels qui ont suivi, c'est des reels qui ont beaucoup plu. Ils ont fait aussi beaucoup de vues. Il y en a d'autres même qui ont dépassé le million de vues. Parce que, justement, j'avais conscience du fait qu'il fallait absolument que je surfe, en fait, sur cette vague. Et donc, si jamais ça vous arrive aussi, puisque vraiment, je vous souhaite du fond du cœur, si vous avez un reel qui devient viral, c'est vraiment de commencer à bombarder, en fait. Potentiellement, ayez du contenu sous le coude. Au cas où, dites-vous, bon, au cas où, si un jour je deviens viral, ayez du contenu sous le coude pour que vous puissiez bombarder, pour que vous puissiez envoyer beaucoup, beaucoup de contenu, pour que vous soyez capable de publier, en fait, au moins une fois par jour, des super contenus pour, en fait, surfer sur cette vague de visibilité. Parce que si vous voulez, en fait, Instagram, c'est un peu un game, c'est un peu un challenge. C'est-à-dire que c'est comme si l'algorithme disait « Ok, donc on va te donner de la notoriété, et on va voir ce que t'en fais. Est-ce que tu rentres dans le game ou pas ?» Ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram veut que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur la plateforme. Donc, ok, on te donne de la visibilité, qu'est-ce que tu nous donnes en retour ? Si vous êtes prêt à justement continuer à publier du contenu, bah, l'algorithme va se dire « Ok, donc elle est dans le game, elle est capable, donc on continue à lui donner de la notoriété. » Et ça va envoyer un signal hyper positif. Alors que si vous avez un reel qui devient viral, et vous restez là genre « Ah, trop bien, c'est viral, trop bien !» Et puis vous restez comme ça, sans rien faire. Ben en fait, l'algorithme va se dire « Ok, on lui a donné de la notoriété, n'a pas spécialement utilisé, donc on va s'arrêter là et basta. » Donc voilà, ça c'est mon petit conseil supplémentaire. C'est vraiment, je me répète, mais d'accompagner en fait la vague. Voilà, vous voyez le truc arriver, vous commencez à avoir les likes qui pleuvent, les abonnés qui pleuvent, vous recevez des tas de messages et tout. Il faut y aller. En fait, il faut y aller, il faut être prêt, il faut bombarder. Et à un moment donné, bah, voilà, ça va comme ça faire une grosse arrivée. Et puis après, ça va se calmer. Donc, il faut être capable d'être très, très impliqué pendant une période donnée. C'est pas facile, honnêtement. Même moi, il y a des moments où je m'essoufflais un peu. J'ai essayé de poster tous les jours, mais il y a des jours, je pouvais pas, quoi. Donc, voilà, il faut aussi temporiser. Mais faut être prêt, donc voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment vous faire remarquer sur les réseaux sociaux, je vous propose d'essayer ma stratégie de lancement explosive en 5 étapes que vous allez découvrir dans la vidéo qui va suivre.